À Vidangeville, les déchets ne sont pas ramassés. Même que j'ai mis ma poubelle sur le côté de la route il y a dix ans, et la poubelle est encore là. Chacun est responsable de ses propres déchets, alors on les met ici ou là, où on peut. On ne peut même pas se débarrasser de nos vieilles autos on doit les garder sur notre terrain. À Vidangeville, il y a la patrouille des déchets. Si on jette nos déchets sur le terrain de quelqu'un d'autre, on peut se retrouver en prison pour un jour ou deux. Et croyez-moi, on ne veut pas être en prison à Vidangeville. Lorsque votre maison sent trop mauvais, vous pouvez acheter le désodorisant de Madame Rose. Dans la parfumerie de Madame Rose, on mélange des produits chimiques dans deux énormes cuves afin de créer le parfum pour le désodorisant. Mais un jour à Vidangeville, tout a changé. Un homme a acheté la propriété à côté de ma maison. Tout le monde l'appelait le concierge, et il a commencé à trier tous les déchets sur son terrain. Il a fait des piles de métal, des piles de bois, des piles de vieux journaux, et même des piles de nourriture. Il a utilisé la nourriture pour faire du compost, le métal pour faire de grandes cultures, à toutes les semaines, il invitait les voisins pour chanter des chansons autour d'un grand feu qu'il faisait avec du bois et les journaux qu'il avait ramassés. Il disait toujours "Nettoyez vos déchets, mais nettoyez votre cœur aussi." Il avait même commencé à demander aux voisins de donner de leurs déchets. Il avait acheté une grande machine qui compressait les autos en blocs. Il utilisait les blocs pour faire un grand château pour les enfants du voisinage. Mais Madame Rose, la propriétaire de la parfumerie, n'aimait pas le concierge. Les ventes de sa parfumerie avaient commencé à descendre et elle avait dû congédier des employés. Elle a demandé à la patrouille de déchets d'arrêter le concierge, mais le juge ne pouvait pas trouver de raison de le mettre en prison. Alors, certains employés de la parfumerie ont pris le concierge. Ils l'ont amené dans la parfumerie. Les deux policiers ont essayé de protéger le concierge. Mais la foule a poussé tellement fort que le concierge est tombé dans une des grandes cuves. Il y avait beaucoup de produits chimiques très mauvais dans la cuve. Alors le concierge est mort. Cette nuit là, il y a eu une grande tempête qui a soufflé sur tous les vidanges de la ville. Le lendemain matin j'avais très peur. J'aimais bien le concierge, mais maintenant je ne savais plus quoi faire. Ce matin là, deux petits garçons sont entrés dans la parfumerie pour voir la grande cuve où le concierge est mort. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'était par magie ou à cause des produits chimiques. Mais ce matin-là, le concierge est sorti de la cuve et il brillait dans le noir. Il est venu dans mon salon et il m'a dit nettoyez vos déchets, mais nettoyez votre cœur aussi. Depuis cette journée, moi aussi j'aide le monde avec leur vidange.